Salut à tous, c'est Bart et on se retrouve aujourd'hui pour faire une maquette en bois. Et j'ai découvert que YouGears faisait des dinosaures qui étaient mécaniques. Un petit peu du coup qui pouvaient avancer tout seuls. Donc j'ai vu la pub pour le Triceratops qui n'est pas encore sorti. Mais je suis tombé sur le T-Rex donc je me le suis pris. Et on va monter ça ensemble. C'est parti! Alors déjà, faut voir qu'ils ont changé leur emballage, puisqu'avant c'était des boîtes filmées dans du plastique. Là, c'est que du carton. Et du coup, il y a juste une languette à tirer et ça s'ouvre. Et ça, c'est plutôt cool. Et à l'intérieur, pareil, c'est plus stocké dans une boîte en plastique. C'est dans une boîte en carton aussi. Du coup, on a le manuel qui est assez long. Je ne sais pas combien de vidéos on va en faire. Encore une fois, on a 35 pages de montage. Enfin, moins les explications. On a. Ça commence là. Donc, on a 30 pages de montage. 31. Et ils nous ont mis. Ça m'évitera que je me serve de ma pince. Une. Bah, du coup, elle est là. On la voit juste ici. Une pièce qui nous sert à enlever les autres pièces. Ça, c'est cool, vraiment. Parce que bon, d'habitude, c'était avec une pince en bois avec une pince en métal qui du coup marquait des fois les pièces. Voilà. Encore une fois, plus de plastique autour des planches de bois. C'est directement comme ça. Donc là, on a quatre planches. Et plus du tout de plastique puisque les accessoires sont aussi fournis dans une pochette en papier. Après là. On croule pas sous les accessoires du coup. Du coup, du papier de verre. Je sais pas comment ça s'appelle. Le ressort pour mettre en marche, pour remonter le dinosaure. Et bien sûr, de la cire pour tous les rouages qu'on aura. Donc, comme d'habitude, je vais faire des sessions de filmage. D'enregistrement de 1 heure, 1 heure et demie pour que la vidéo finale fasse 15 minutes à peu près. Et on verra combien de temps ça prend. Et du coup, on va commencer tout de suite, hein.
Du coup, je vous reprends maintenant. On va arrêter là pour cette première partie, mais ça tombe bien parce qu'on termine sur un truc qu'on doit tester. Donc, on nous dit de venir remonter ça et on nous dit de faire 5 tours maximum. De mettre ça là, du coup, là c'est l'arrêt, là ça marche et de faire balancier ici et en même temps tourner ça. Et on voit bien que du coup les mécanismes tournent. Ça revient tout seul, ça tourne, c'est cool. Là, on aura les jambes qui marcheront du coup. Donc voilà, je trouve ça plutôt stylé. On arrête et ça bouge plus rien. C'est vraiment bien fait. Du coup, voilà pour cette première partie. Et en fait, on a plutôt bien avancé puisqu'on a fini complètement la première plaquette sur les trois. La 2 et la 4 sont plutôt bien entamées. Donc, j'ai envie de dire, ça se trouve, ce sera fait en deux vidéos. On a fait 10 pages de montage. Donc, peut-être que ce sera fait en deux vidéos. Trois grands maximum. Ce qui changeait la chocolaterie de la dernière fois qui était très très longue. En tout cas, si la vidéo vous a plu, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager et à vous abonner. C'était Bart et je vous dis à bientôt.